Commençons avec ce nouveau lot de 3 575 000 doses du vaccin anti-Covid Moderna qui est arrivé à l'aéroport international du Caire. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdelghafar, provisoirement chargé du travail de ministre de la Santé, le vaccin de Moderna est inscrit par l'OMS sur la liste des vaccins autorisés pour une utilisation d'urgence. Il est également autorisé par l'autorité égyptienne de médicaments. Le calendrier de dosage de ce vaccin prévoit l'administration de 2 doses à un intervalle de 21 jours. Selon M. Abdelghafar, ce nouveau lot sera testé par les laboratoires de l'autorité égyptienne de médicaments avant sa distribution dans les centres de vaccination. Le ministère de la Santé a annoncé que 763 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 281 325 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 911 nouvelles infections au coronavirus et 57 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 334 751 cas de contamination, dont 18 889 décès.